Ouais, les gars, j'étais à l'anniversaire de Verratti, mon petit VV. Franchement, c'était un honneur, c'était un truc de fou. J'ai tout vu là-bas, les perversions, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas voir. Il y a eu des dingueries. Neymar, il était là-bas, il y avait de la meuf, de l'alcool, il y avait plein de trucs. J'ai des trucs que j'ai jamais vus de fou. Ils m'ont fait découvrir les sombritudes de Paname. J'ai vu des bouteilles d'alcool que j'avais jamais vues de ma vie. J'ai vu des meufs que j'ai jamais vues. J'ai vu le nez de Zlatan. Il était grave près de mon visage. C'était impressionnant de fou. J'ai parlé avec lui. On a parlé de plein de trucs. On a parlé du métier, du football, de la pression, de la société, de plein de choses. Tu vois, on a parlé tactique de jeu, football, technique, pression psychologique. On a parlé de puissance nasale. À ce niveau-là, c'est lui qui m'en a beaucoup plus appris. Tu vois, moi, j'ai vraiment pas de puissance du nez. C'était intéressant, c'était une bonne expérience. Franchement, il y a un respect de fou pour lui et pour moi. C'était magnifique. J'ai passé des bons moments. Neymar, il n'était pas trop avec nous parce que lui, il était bourré de l'autre côté. Il dansait la samba, tu vois, c'est la technique brésilienne et tout. Et voilà, sinon j'ai passé un bon anniversaire avec Verratti. Nous, on était là, on était sobres. On était un peu les anciens, tu vois. Moi j'ai 35 piges, Zlatan il a 40 piges passées, Verratti il a eu 30 piges, tu vois, il s'est donné, hein. Ah, il s'est donné le petit, hein, je te jure, je l'ai vu alcoolisé, le mec il était la tête sur le sol, franchement c'était choquant à voir, hein. Là il n'y avait plus de technique, c'est pas le Verratti qu'on voit sur les terrains il est là, il contrôle le jeu, il pose le jeu, il maîtrise, là il maîtrisait rien, franchement il était proche du sol, il était en train de ramper. Il était vraiment dans un sale état, il était dans un état médiocre. Après, voilà, moi je connaissais un peu leur style, hein, parce que moi après l'entraînement, je rentrais chez WAM et tout, je faisais un petit Scrabble et puis voilà, je rentrais chez WAM. Moi j'ai pas de vie, frère, je suis un bolos en dehors du foot. Eux, ils allaient se droguer, ils allaient se mettre par terre dans des boîtes de nuit, je captais, ils revenaient à l'entraînement en boitant et disaient ouais, je suis blessé et tout ça. Voilà, sinon j'ai kiffé, j'ai vu Zlatan, j'ai vu son nez, on a parlé et je suis rentré chez WAM.